Hein? C'est la guerre. Alors, prépare. Pedro s'en va. Bon camino. Amigo. Non, une petite alberguée et coquille ce matin. Petite cuisine. Petite cuisine. Ah ben, c'est parti. 8h25. Un peu de brouillard ce matin. Et de temps, petit brouillard matinal avec un petit charme fou. Bon, allez, ce matin, petite étape, 20 km. Et on a quitté les montagnes et la nature pour arriver maintenant dans une plaine. Céréalière, l'élevage, ça change, environnement, moins naturel évidemment, mais on est quand même à la campagne. Voilà, au milieu des élevages vaches, moutons. C'est l'heure du petit-déj. Coucou. Coucou. C'est l'heure du petit-déj. Ah, ça fait vraiment étrange ce changement soudain d'environnement qu'on n'a pas connu depuis Almeria. Ah, un petit monument pèlerin, on va voir combien on est de Santiago. Et 922. Voilà, la Nueva del Duque. 922 de Santiago. On arrive. Voilà, Bula Nueva de Duque. Bellissime. Belle église. Une année de cigogne habitée. Une belle cigogne, un nid de cigogne habité. Et jolie décoration. Ah, c'est mouillé, bon. Allez. 9h30. Le brouillard se lève un peu. Un pequeño arroyo, sí. Ah putain, ils vont dans le bon sens. Ils vont pas dans le bon sens. Jolie petite tasse, ombragée pour les petits vieux. À 11h, après la pause café, on reprend le chemin. 3 heures de route et on arrive dans la verdure, dans les cultures, seigle ou blé. Voilà le passage du Rio. Sans problème, ouais, sec. Le passage de l'eau, c'est partout là. Toutes les arches. Il n'y a pas de truite. Ouais, c'est beau. Une petite palette. Brebis dans les cailloux. Ça n'a pas été arrangé vraiment.
avec un arbre qui nous fait un beau clin d'œil. Rien. Il a ramassé un peu quand même. Ah, les blocs de pierre étaient dans les champs. Ils ont été tous ramenés ici. Voilà, à midi 10, ça fait donc 4 heures qu'on est parti. Et on avance. Arrivé dans 2 heures. Une belle musique, la musique des cloches, des brebis. Il n'y a pas de mai et j'ai commencé à les compter, mais je commence à m'endormir, donc je vais arrêter de les compter. Ah, il y a moins d'aventures aujourd'hui qu'hier, mais c'est tout aussi sympathique. C'est le chemin. Alors on traverse ces étendues de champs, blé, avoine, seigle, je ne sais pas trop, orge, des céréales toujours, et puis avec ces arbres toujours magiques. Voilà, ça ressemble de plus en plus à la Via de la Plata qu'on a parcouru en septembre-octobre dernier. Arrivé à l'albergue de Ina Rosa del Duque. Y siempre. Siempre. Este efecto. Siempre. Como si tomas. Va a terminar esto. ¿Y cuando un cerdo te ataca, cómo haces? El cerdo es más difícil que tocar. Salud. Salud. Laurent, Pedro, Monica. De pastor. No de pastor, pero.